Salut tout le monde, c'est Aquatex. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu GTA 5 Online pour vous présenter trois magnifiques tenues modées sans codage sur le personnage féminin. Du coup, avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker si la vidéo vous plaît et à partager cela, ça me ferait extrêmement plaisir. Une fois ceci dit, revenons tout simplement à la vidéo. Pour faire cette tenue la team, il va vous falloir le jogger noir. Je vous ai laissé deux vidéos en description qui expliquent comment faire pour récupérer le jogger noir. N'hésitez pas à aller check tout cela. Il va aussi vous falloir le sac de braquage noir et également la tenue paramédicale. Je vous ai laissé le lien de ces activités en description. N'hésitez pas à aller check cela. Il y aura aussi une vidéo qui explique comment faire pour avoir le sac de braquage. N'hésitez pas à aller check cela. Les liens seront en description. Une fois ceci fait, vous devez être en session sur invitation pour éviter de vous faire tuer par d'autres joueurs. Une fois tout ceci préparé, vous êtes prêt pour les tenues du coup. Est-ce que c'est parti la team? Allez hop, on va pouvoir commencer avec la première tenue. On va se rendre au magasin de vêtements. Ensuite, on va se diriger vers les pantalons. On va aller dans la catégorie des pantalons de guerre d'arène. Et dans cette catégorie, vous allez descendre comme moi. Vous allez acheter le pantalon lacet cuir bleu. C'est le 19 sur 52. Une fois ceci acheté, on va faire rond. Ensuite, on va se diriger vers les hauts. On va faire la flèche de droite. Ensuite, on va descendre dans la catégorie des bikinis. Et dans cette catégorie, on va acheter le bikini bleu. C'est le 24 sur 30. Une fois ceci acheté, on va rester dans les hauts. On va descendre dans la catégorie des gilets de braquage. Et dans cette catégorie gilets de braquage, on va devoir descendre tout en bas. Du coup, on descend. Et vous allez acheter le même gilet de braquage comme moi. Vous allez acheter le gilet tactique pêche. 43 sur 75. Une fois ceci acheté, on va se diriger tout simplement vers les chaussures. On va aller dans la catégorie des baskets. Et dans cette catégorie, on va acheter les baskets montantes unies noires, 3 sur 18. Une fois ceci acheté, on va se diriger tout simplement vers les accessoires. On va aller dans la catégorie des gants. On va devoir acheter les renforcés noirs. C'est le 9 sur 63. Une fois ceci fait, on va devoir rester dans les accessoires. On va aller dans la catégorie des colliers, on va acheter la perle noire. C'est le 5 sur 19. Une fois tout ceci acheté, on va devoir se diriger vers la caissière et on va sauvegarder la tenue dans un emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, on va aller dans la catégorie des tenues braquage combinaison. On va devoir acheter entre ces quatre tenues de braquage. Pour ma part, je prends la tenue scientifique. Et on va se diriger vers la longue vue. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé, vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche de droite. Vous allez maintenir pavé tactile longtemps. Vous allez sur style tenue. Vous allez mettre la tenue que vous avez sauvegardée au magasin de vêtements. Vous allez ensuite vous éloigner. Vous aurez le masque sur la tenue. Une fois cette manipulation faite, on va tout simplement se rendre au magasin de masques. Ensuite, on va faire la flèche de droite au niveau des masques. On va faire carré et sauvegarder la tenue au premier emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, on va tout simplement faire option en ligne activité, jeu activité créé par Ostar. Mission, on va lancer un travail de titan. On va confirmer les paramètres et lancer la mission en solo. Une fois dans la mission, on va voir qu'on n'aura plus le gilet de braquage. On va juste se rendre à la munition. Une fois arrivé à la munition, on va tout simplement entrer, on va se diriger vers les vêtements. On va ensuite faire la flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement. Du coup, on la sauvegarde au premier emplacement. Et une fois le chargement de la sauvegarde terminé, on va quitter le menu. Ensuite, on va sortir du magasin. On va ouvrir le téléphone et quitter l'activité. On aura ensuite un chargement et on va spawn tout simplement en session. Une fois avoir spawn en session, on va retourner à la munition. On va se diriger vers les vêtements. Ensuite, on va faire la flèche de droite. On va descendre dans la catégorie des tenues automobiles, course automobile.
et dans cette catégorie, on va acheter la combinaison course noire. Une fois ceci fait, on va devoir lancer tout simplement le versus repo. Dans les paramètres du versus, on va mettre vêtements possédés et on va inviter un ami. Une fois que notre ami aura rejoint, on va lancer tout simplement l'activité. Du coup, on lance l'activité et on va spawn ici. Une fois qu'on va spawn ici, on va aller sur tenue possédée. On va faire une fois la flèche droite et on aura la tenue modée sur nous. Tout simplement. On va se mettre prêt et patienter que la mission se lance. Une fois dans la mission, vous allez faire pavé tactile style accessoire matériel. Vous allez mettre une oreillette, ensuite vous allez quitter l'activité. Vous aurez un chargement et vous allez respawn en session avec la tenue modée. Vous aurez juste à vous rendre soit à la munition, soit dans un magasin de vêtements pour sauvegarder la tenue, tout simplement dans un emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, on va se rendre au magasin de masques pour continuer la suite. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé au magasin de masques, comme moi sur les gameplays, vous allez faire pavé tactile style, vous allez dans les accessoires, vous allez mettre un recycleur. Si vous n'avez pas le recycleur, vous allez vous rendre tout simplement à la munition. Dans l'espace des équipements, vous allez acheter un recycleur. Une fois ceci fait, on va se diriger vers les chapeaux. On va aller dans la catégorie des casques pare-balles. On va acheter le pare-balles noir. Une fois l'avoir pris, on va tout simplement mettre le sac harnais Israël, tout simplement. Si vous n'avez pas le sac harnais Israël, vous allez tout simplement l'acheter à la munition. Une fois l'avoir équipé, on va tout simplement sauvegarder la tenue avec le sac harnais dans un emplacement. Du coup, on sauvegarde. Une fois le chargement terminé, on va devoir transférer le sac de braquage noir sur la tenue. Pour cela, il va falloir déjà posséder une tenue qui possède le sac de braquage noir. Pour ma part, j'ai cette tenue-là qui possède le sac de braquage noir. Du coup, on va la transférer. On va devoir prendre un peu d'altitude avec notre oppressor. Du coup, on prend de la hauteur. Et une fois suffisamment en hauteur comme moi, vous allez vous placer face au magasin. Vous allez sauter et ouvrir le parachute. Vous allez faire pavé tactile style, vous allez remettre la tenue tout simplement modée. Vous allez ensuite vous diriger vers le magasin. On va devoir s'écraser au niveau du magasin de masques et spammer rapidement la flèche droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, on va refaire pavé tactile style tenue. On va remettre la tenue et on aura le sac de braquage sur la tenue, tout simplement la team. Du coup, j'espère que cette première tenue vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On va passer tout simplement à la deuxième tenue. Du coup, let's go, c'est parti. Allez, hop. Pour la deuxième tenue, il va falloir récupérer le jogger noir comme moi sur les gameplays. Je vous ai laissé deux vidéos en description qui expliquent comment faire cela. N'hésitez pas à aller check tout cela. Une fois ceci fait, on va se rendre au magasin de vêtements. On va ensuite se diriger vers les hauts. On va aller dans la catégorie des pulls. Du coup, on descend. Et dans la catégorie des pulls, vous allez descendre tout en bas. Vous allez acheter le col roulé. C'est le col roulé noir sur le 68 sur 92. Une fois ceci acheté, on va tout simplement rester dans les hauts. On va descendre dans la catégorie des gilets de braquage. Et dans les gilets de braquage, on va devoir acheter le gilet de braquage tactique pêche 43 sur 75. Une fois ceci acheté, on va se diriger tout simplement vers les chaussures. On va aller dans la catégorie des baskets. On va acheter les baskets montagne unie blanche 4 sur 18. Une fois ceci fait, on va se diriger vers les accessoires. Du coup, on y va. On va devoir faire la flèche de droite. Ensuite, on va aller dans la catégorie des gants. On va devoir acheter les renforcés blancs 6 sur 73. Une fois ceci fait, on va aller dans la catégorie des colliers. Ensuite, on va devoir acheter le collier de perles noires 2 sur 18. Une fois l'avoir fait, on va tout simplement se diriger vers la caissière et sauvegarder la tenue dans un emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, on va aller dans la catégorie des tenues braquage combinaison. On va acheter entre ces quatre tenues de braquage avec le masque. Pour ma part, je prends la tenue scientifique.
mais vous pouvez prendre n'importe laquelle entre les quatre. Et une fois ceci fait, on va se diriger vers la longue vue. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé comme moi, vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche de droite. Vous allez maintenir pavé tactile longtemps. Vous allez sur style tenue. Vous allez ensuite mettre la tenue que vous avez sauvegardée au magasin de vêtements. On va s'éloigner de la longue vue et on aura tout simplement le masque sur la tenue. Une fois avoir fait cette manipulation, on va se rendre tout simplement au magasin de masques et sauvegarder la tenue dans un emplacement. Une fois le chargement terminé, on va devoir lancer la mission Un travail de titan. On va confirmer les paramètres et lancer la mission en solo. Une fois dans la mission, on va voir qu'on n'aura plus le gilet de braquage, tout simplement comme moi. Nickel, on va devoir se rendre à l'ammunition. Une fois arrivé à l'ammunition, on va entrer. Ensuite, on va tout simplement se diriger vers les vêtements. On va ensuite faire la flèche droite et carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement. Très important à ne pas oublier, sauvegarder la tenue au premier emplacement. Et une fois la sauvegarde terminée, on va tout simplement sortir du magasin. Ensuite, on va quitter l'activité à travers le téléphone. On aura un chargement et on va respawn tout simplement en session avec la tenue. On va juste mettre la tenue paramédicale que je vous ai laissé l'activité en description. N'hésitez pas à aller checker encore cela. On va équiper la tenue paramédicale. Ensuite, on va devoir lancer le versus repo. Quand on fait cela, on fait option en ligne, activité, jeu activité, versus repo. Dans les paramètres, on va mettre vêtements possédés. Ensuite, on va inviter un ami et lancer la mission. Une fois dans la mission, on va devoir aller tout simplement sur tenue possédée. On va faire une fois la flèche de droite pour transférer la ceinture paramédicale sur la tenue comme moi sur le gameplay. Et on va se mettre prêt et patienter que la mission se lance. Une fois dans la mission, on va faire pavé tactile style accessoire matériel. On va mettre une oreillette et quitter l'activité à travers le téléphone. On aura ensuite un chargement et on va respawn en session tout simplement avec la tenue modée. On aura juste à se rendre à l'ammunition pour sauvegarder la tenue dans un emplacement. Du coup, une fois le chargement terminé, on va se rendre au magasin de masques pour terminer la tenue. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé au magasin de masques, on va se diriger vers les chapeaux. On va ensuite aller dans la catégorie des casques pare-balles. On va acheter le pare-balles noir. Une fois ceci acheté, on va se diriger tout simplement vers les masques. On va ensuite aller dans la catégorie des passe-montagne. Et dans cette catégorie là, on va devoir descendre tout en bas comme sur le gameplay. On va devoir acheter le masque Bitness noir. C'est tout en bas sur le 40, sur le 83, sur 114. Une fois ceci acheté, on va faire pavé tactile. Ensuite, on va aller sur style parachute. On va équiper le sac harnais Israël. Si vous n'avez pas le sac harnais Israël, vous allez tout simplement l'acheter à la munition. Une fois l'avoir équipé, on va la sauvegarder tout simplement dans un emplacement. Et une fois le chargement terminé, on va devoir transférer le sac de braquage noir sur la tenue. Si vous ne savez pas comment faire pour transférer le sac de braquage, je vous ai laissé une vidéo qui explique comment faire cela en description. Mais on va devoir posséder une tenue qui possède le sac de braquage noir. Pour ma part, c'est celle-là. Ensuite, on va tout simplement prendre un peu d'altitude avec notre oppressor. Du coup, on y va. Une fois en hauteur, on va devoir sauter. Ensuite, on va ouvrir le parachute. On va aller dans pavé tactile style. On va tout simplement mettre la tenue modée. Ensuite, on va devoir se diriger vers le magasin de masques. Vous allez vous écraser au niveau du magasin et spammer rapidement la flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement. Une fois la manipulation terminée, vous allez refaire pavé tactile style tenue. Vous allez ensuite remettre la tenue et vous allez voir que vous allez avoir le sac de braquage noir sur vous. C'est simple et efficace. J'espère que cette deuxième tenue vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager cela, ça me ferait extrêmement plaisir. Go les 5000 abonnés, je compte sur vous la team. Et on va passer tout simplement à la dernière tenue. Allez hop, pour la troisième et dernière tenue, on va devoir retourner au magasin de vêtements. On va se diriger vers les pantalons. On va ensuite aller dans la catégorie des leggings. Et dans cette catégorie, on va devoir acheter le même legging que moi. C'est le 18 sur 53. C'est le jogging ajusté hit violet. Une fois l'avoir acheté, on va tout simplement se diriger vers les hauts.
On va ensuite faire la flèche droite et on va descendre dans la catégorie des hauts de sport. Et dans cette catégorie, on va acheter le t-shirt blanc et mauve. C'est le 4 sur 53. Une fois ceci acheté, on va rester dans les hauts. On va descendre dans la catégorie des gilets de braquage. Et dans cette catégorie, on va devoir descendre tout en bas. On va acheter le gilet tactique pêche. C'est le 43 sur 115. Une fois ceci acheté, on va se diriger vers les chaussures. On va faire la flèche droite. Ensuite, on va aller dans la catégorie des baskets. Et dans cette catégorie, on va acheter les baskets montantes unies blanches. 4 sur 18. Une fois ceci acheté, on va se diriger tout simplement vers les accessoires. On va faire la flèche droite. Ensuite, on va aller dans la catégorie des gants. On va acheter les renforcés blancs. 6 sur 103. Une fois ceci acheté, on va aller dans la catégorie des accessoires poignets. On va acheter le 7 sur 30 et on va acheter tout simplement le 18 sur 30. Les deux accessoires poignets. Une fois ceci acheté, on va tout simplement sauvegarder la tenue dans un emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, on va devoir prendre la tenue combinaison de braquage. Pour ma part, je prends la tenue scientifique et on va tout simplement se diriger vers la longue vue. On se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé au niveau de la longue vue, vous allez courir et spammer la flèche de droite. Vous allez ensuite maintenir pavé tactile longtemps. Vous allez sur style tenue. Vous allez mettre la tenue que vous avez sauvegardée au magasin de vêtements, celle-là. Et vous allez vous éloigner de la longue vue et on aura tout simplement le masque sur la tenue. Une fois ceci fait, on va tout simplement se diriger vers le magasin de masques. Une fois arrivé au magasin de masques, on va sauvegarder la tenue au premier emplacement. Ensuite, on va lancer tout simplement la mission Un travail de titan. On va confirmer les paramètres et lancer la mission en solo. Une fois dans la mission, on va voir qu'on n'aura plus le gilet de braquage. On va juste se rendre à l'ammunition. On se retrouve une fois arrivé dans une ammunition. Une fois arrivé, on va tout simplement sauvegarder la tenue au premier emplacement. Et une fois le chargement terminé, on va tout simplement quitter le magasin et quitter l'activité par la suite. On aura un chargement, ensuite on va spawn tout simplement en session. Du coup on spawn et une fois on va spawn en session, on va retourner à la munition. Ensuite on va devoir se diriger tout simplement vers les vêtements. On va ensuite faire la flèche droite, on aura le menu. On va descendre tout en bas, on va aller dans la catégorie des tenues combinaison de voltige, désolé. Et dans cette catégorie, on va acheter la combinaison de voltige flow sur le 2 sur 14. Ensuite, on va devoir lancer le versus repos. Dans les paramètres, on va mettre vêtements possédés et on va inviter un ami tout simplement et lancer la mission. Une fois on va spawn ici, on va aller sur tenue possédée. On va faire une fois la flèche droite et on aura la tenue modée. On va juste se mettre prêt et patienter que la mission se lance. Une fois dans la mission, on va mettre tout simplement une oreillette dans les accessoires matériels. Et une fois l'avoir fait, on va quitter l'activité tout simplement à travers le téléphone. On aura ensuite un chargement et on va spawn tout simplement en session avec la tenue modée. On va devoir se rendre à la munition et sauvegarder la tenue dans un emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, on va devoir se rendre tout simplement au magasin de masques. Du coup, on y va. Une fois arrivé au magasin de masques, vous allez faire pavé tactile, vous allez ensuite sur style parachute, vous allez mettre le sac harnais Corée du Sud. Si vous n'avez pas le sac harnais Corée du Sud, vous allez l'acheter tout simplement dans une ammunition. Une fois ceci équipé, on va tout simplement se diriger vers les chapeaux, on va ensuite aller dans la catégorie des bonnets, on va acheter le bonnet mou blanc, 53 sur 106. Une fois ceci acheté, on va tout simplement sauvegarder la tenue dans un emplacement. Du coup, une fois la sauvegarde terminée, vous avez tout simplement réussi à faire 3 tenues modées sans codage, tout simplement. Du coup, j'espère que ces 3 tenues vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager cela, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous laisse sur ces images, c'était Aquatex, allez, go la team.